vous invite à frapper dans les mains pour acclamer notre roi. Acclamez le roi des rois. Ne m'acclamez pas. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci, ça c'était pour la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Si réellement Jésus entrait là, de quelle manière l'acclamerions-nous? De quelle manière lui dirions-nous notre adoration? De quelle manière le regarderions-nous? Est-ce qu'on n'a pas envie de glorifier notre roi ce soir? Adorons-le simplement, je bénirai l'Éternel. Seigneur, nous voulons simplement disposer nos cœurs pour nous approcher de toi ce soir. Te louer, te bénir. Seigneur, oui, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus de nos pensées. Tu es au-dessus de notre journée, de nos problèmes. Et nous fixons ce soir encore nos regards vers toi. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre toute la gloire pour qui tu es. Seigneur, nous voulons détourner nos regards de nous-mêmes pour bénir ton nom, pour regarder à toi ce soir, pour fixer nos regards sur toi et sur toi seul. Reçois simplement notre reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma louange. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts.
il est glorieux et digne de régner. Reprenez-le et adorez-le de tout votre cœur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire, gloire. Élève ta voix et adore-le. Te bénissons, nous te louons parce que tu es là. Nous te glorifions parce que tu es le roi digne de louange et d'adoration, celui devant lequel personne ne conteste. Tu es toujours au zénith de ta gloire, au zénith de ton amour, au zénith de ta puissance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Nous te bénissons, toi, toi qui nous as sortis de la boue du péché dans laquelle nous étions, toi qui nous as lavé par ton sang précieux, toi qui nous as relevés de notre chute. Nous te bénissons parce que tu es là ce soir, et je veux te louer, te glorifier de ce que tu donnes à chacun et à chacune de vivre en ta présence un attouchement particulier. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je te bénis Seigneur de ce que tu es présent et de ce que c'est toi qui ouvres les cieux pour que descende sur nous ta gloire, ta paix, ta joie, ton amour. À toi seul reviennent l'adoration et la louange au siècle des siècles. Nous te bénissons, toi en qui il n'y a pas l'ombre d'une variation, toi qui es toujours au zénith de ta gloire, au zénith de ton amour, au zénith de ta puissance. Nous te glorifions et nous t'élevons de tout notre cœur. Nous te rendons l'honneur qui t'est dû, nous te rendons la louange qui t'est due, nous te rendons la gloire qui t'est due. Nous te bénissons parce que tu es là, parce que tu es présent au milieu de nous. Que ton nom seul soit élevé. Nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons Seigneur, car il est glorieux. L'agneau est
y a une personne qui est là et vous souffrez au niveau du larynx. C'est très particulier, mais le Seigneur veut vous guérir ce soir. Et vous repartirez de ce lieu louant le Seigneur, le glorifiant, totalement guéri. Il y a également une dame qui est venue. Vous avez beaucoup de mal à respirer parce que vous avez une douleur sur le côté droit qui perdure depuis des jours. Vous avez vous-même du mal à décrire cette douleur parce qu'elle irradie tout votre côté droit. Mais ce qu'elle produit de manière très concrète, c'est que vous n'arrivez plus à pleinement respirer, à remplir votre cage thoracique d'air, parce que dès que vous respirez pleinement, eh bien la souffrance se fait tellement forte que cela bloque votre respiration. Ma sœur, le Seigneur vous guérit et vous repartirez de ce lieu en respirant pleinement et librement, sans ne plus avoir aucune douleur et aucune souffrance. Il y a également un frère qui est là ce soir. Et mon frère, tu as depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, eh bien des souffrances et des douleurs au niveau du genou gauche. Et au début, c'était une douleur, mais qui n'était pas importante. Cependant, elle est allée en s'amplifiant et en augmentant. Maintenant, elle devient handicapante. Maintenant, tu ne peux plus faire ce que tu faisais comme tu le faisais avant. Maintenant, tu boites quand tu marches. Maintenant, quand tu veux t'accroupir, tu as beaucoup de mal. Le Seigneur te touche ce soir. Et il te dit, mon fils, je n'ai pas changé. Ton discours, ces temps derniers, c'est que tu avais du mal à croire en la guérison divine. Ton discours était... depuis un temps certain, avant même que tu avais ce problème, que tu avais du mal à concevoir que le Seigneur pouvait encore guérir, ce soir il te guérit. Et tu vas sortir de ce lieu sans boiter, sans souffrir au niveau de ton genou, et cela ne reviendra plus. Le Seigneur le fait pour que tu saches qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il t'encourage à t'ouvrir à cette dimension. Parce que c'est une dimension dans laquelle tu n'es jamais entré. Il te guérit pour que toi-même, tu sois en mesure maintenant de prier pour d'autres. Et tu verras sa grâce. Et tu verras sa gloire. Sois béni, Seigneur. Sois béni.
d'être dans ta présence, Seigneur. Qu'il est doux, Seigneur, de t'entendre nous parler. Qu'il est doux de te contempler face à face et de t'adorer. Reçois simplement notre reconnaissance. Notre reconnaissance ici-bas et notre reconnaissance, car bientôt nous te verrons. Amen. Bientôt, très bientôt, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons, Seigneur. Bientôt, très bientôt.